spectateur. 5 de pique revient sur le parcours du peintre et sculpteur Wahib Tedini. Sa palette chromatique et son travail sur les traditions libanaises rendent sa production proportionnelle et sincère. Né en 1929 et décédé en 2011 au Liban, le peintre est originaire du Chouf. Il est formé en Union soviétique grâce à une bourse qu'il obtient en 1958. Il est titulaire d'une maîtrise en arts plastiques de l'Institut des Beaux-Arts Sourikov à Moscou. Il s'agit d'une grande institution scolaire russe fondée au 19e siècle. La précision et la rigueur domineront le parcours artistique de Wahib Tedini. Il rentre au Liban en 1966, une époque dorée où tout n'est qu'épanouissement. En 1970 et en 2003, il remporte le prix Saïd Ahel pour ses peintures. Il enseigne à l'université libanaise. Il sera également directeur du département des Beaux-Arts jusqu'en 1988, année de son départ pour les États-Unis. À partir de 1995, l'artiste et sa famille se réinstallent à Beyrouth et effectuent de nombreux voyages outre-Atlantique. Wahib Tedini représente le Liban au Festival des Arts Arabes qui se tient à Damas en 1972. Il expose à Beyrouth, Moscou, New York, Washington. La citoyenneté américaine lui est offerte en reconnaissance de ses réalisations artistiques. Il est distingué par l'insigne d'honneur du Cèdre libanais en 2004. La même année, l'artiste émet le souhait d'un musée éponyme. Son épouse Samia et leurs enfants poursuivent ce projet en sa mémoire. L'institution, située au Chouf, sera inaugurée en 2018. Le pinceau vigoureux de Wahib Tedini est reconnu, en témoigne sa série de portraits de personnalités libanaises allant de Kamal Jumblad à Saïd Ahel. Sa technique explore le réalisme académique qui l'enrichit de son expérience. Son trait dévoile une sérénité, nourrie d'une observation bienveillante. 5 de pique vous présente Paysage du Barouk. L'œuvre a été exécutée par Wahib Tedini en 1996. Elle appartient à la collection du musée privé Émile Hannouch. Barouk est un village du Chouf situé à 50 km au sud-est de Beyrouth. Son altitude est de 1000 mètres environ. Le village se niche au pied de la montagne du même nom. Couverte d'une forêt de cèdres réputée et protégée, le poète Rachid Nahleh, auteur de l'hymne national libanais, est originaire de la région. Invitant le spectateur à se perdre dans son œuvre, Wahib Tedini partage avec lui le secret d'un terroir qui l'affectionne. Il le sublime en décomposant son travail en plans distincts. La toile dévoile un sentier de randonnée au centre. Le chemin escarpé coupe le flanc des falaises. Il disparaît dans une végétation dense. Le rythme vibrant des rochers, les massifs structurés ou la terre aux courbes stylisées témoignent d'un langage artistique cohérent, libéré de ses démons. Le registre figuratif du tableau est intemporel. Il présente une nature habitée par l'emploi d'une palette chromatique automnale profondément chaude. Le coloris vire à la période hivernale au second plan. Il suggère avec le gris et le bleu, le temps qui passe, la force de la nature, le règne des saisons. L'élégance picturale générale ressort de la toile. Elle nous invite à redécouvrir notre patrimoine. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour partager 5 de pique, coproduction de la Fondation RAM et de Télé-Liban, consacrée à l'art dans une volonté d'ouverture et de dialogue bénéfique à la construction de l'identité.